Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler des différences qu'il y a entre le manga et l'anime dans l'épisode numéro 18 de la saison 3 de l'Attaque des Titans. Mais avant de lancer la vidéo, deux petites choses. La première, je voudrais vous remercier d'avoir été si nombreux à voir ma vidéo précédente sur le sujet. Et la deuxième, c'est que je voudrais m'excuser d'avoir mis aussi longtemps à la sortir. Comme je vous l'avais déjà annoncé, j'avais prévu de la faire la semaine dernière pour que ce soit raccord avec les épisodes qui sortent en animé. Mais malheureusement, mon planning a été un petit peu chaotique. Mais j'espère malgré tout que vous apprécierez cette vidéo. Comme vous le savez, dans cette deuxième partie de la saison 3, il y a quand même pas mal de choses qui sont similaires entre l'animé et le manga. Mais malgré tout, il y a quand même quelques petites différences à noter. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je tenais à rassurer les personnes qui ne regardent que l'animé. Il n'y aura pas de spoil pour vous dans cette vidéo. Je ne parlerai donc pas du fait que Angie s'est fait poser des implants mammaires afin qu'on arrête de dire que c'est un homme, ni du fait que Historia est la vraie mère des reines. Et maintenant que tout ceci est clarifié, on va pouvoir commencer cette vidéo. Et on commence avec une habitude de l'animé et qui n'est pas du tout présente dans le manga, à savoir un titan avec les yeux rouges. Et ici, en l'occurrence, il s'agit du titan à quatre pattes qui conduit Sig, et je voulais juste profiter de cette vidéo pour rappeler que ça n'a pas du tout d'incidence sur le reste, c'est juste un effet esthétique. On l'a eu pour le titan à quatre pattes, on l'a eu pour Eren, et on l'a également eu quand le titan bestial est apparu, et je voulais juste profiter de cette vidéo pour vous dire de ne pas prendre en compte ce choix esthétique de l'animé. Au passage, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le titan à quatre pattes, il est bien plus terrifiant dans l'animé que dans le manga. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais personnellement, je le trouve bien plus terrifiant. D'ailleurs, concernant cette scène, on sent qu'il y a eu une légère censure dans l'animé, puisque après qu'Eren est menacé de tuer Bertholdt, on voit que, dans le manga, sa lame s'est enfoncée bien plus profondément dans le cou de Bertholdt que ce qui nous est montré dans l'animé. Ou alors c'est que dans le manga, il est hémophile et pas dans l'animé, va savoir. On enchaîne avec un point qui va peut-être faire polémique, c'est concernant la fabuleuse coupe de cheveux de Rainer. Dans l'animé, on voit clairement qu'il n'a plus aucun cheveu sur le caillou et juste ceux sur le côté, alors que dans le manga, j'ai pas du tout cette impression-là. Après, sur un dessin, c'est un petit peu difficile de juger. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, dans le manga, Rainer est bien plus chevelu que dans l'animé. Enfin, je vais vous parler du moment le plus tendu de tout l'épisode, à savoir celui où les membres du bataillon d'exploration vont se battre pour savoir qui sauver entre Erwin et Armin. Et c'est intéressant de voir les différences qu'il va y avoir, notamment au niveau du discours. Déjà concernant Levi, dans l'animé, il va dire « Je dois sauver celui qui libérera l'humanité ». Tandis que dans le manga, il dit « L'intérêt de l'humanité prime avant toute chose ». Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un petit peu plus égoïste dans l'animé que dans le manga. Dans le manga, t'as l'impression qu'il va faire ce choix par devoir et qu'il y est presque contraint, tandis que dans l'animé, on a plus l'impression que c'est un choix personnel. Ensuite vient le conflit avec Eren qui va essayer de lui piquer la seringue, et Levi qui va lui mettre une bonne tarte dans la tronche. Et autant quelques minutes plus loin, ça va sans doute choquer des gens de voir Eren parler avec la moitié du visage sans dents, mais dans la scène qui est montrée dans le manga, on voit bien les dents d'Eren voler lorsque Levi le frappe. Bon, après revisionnage, re-revisionnage, et re-re-revisionnage, je me suis rendu compte que j'avais tort et qu'on voit bien une dent volée. Par contre, c'est vrai qu'il faut être sacrément observateur pour la voir. Allez, on se refait la scène. C'est bon, vous l'avez vu? Bon allez, je la repasse au ralenti pour vous. Voilà, là, ici. Regardez bien, en haut à gauche de l'écran, on voit une toute petite dent qui apparaît sur deux images. Il y a celle-là, là, voilà, et puis aussi celle-là. Ce qui signifie qu'on voit bel et bien une dent volée pendant environ 4 centièmes de seconde. Alors les gens qui vont m'écrire en zone commentaire qu'ils avaient bel et bien vu une dent volée, c'est bon les mecs, hein, on me la fait pas à moi. On va avoir ensuite une altercation entre Levi et Mikasa, et sincèrement dans l'animé, elle est bluffante, elle est extrêmement bien réussie. Alors si ici je ne vais pas comparer l'animé et le manga, parce que forcément, entre le cri de Mikasa et puis l'animation derrière, forcément, ça fait beaucoup plus stylé dans l'animé que dans le manga. En revanche, s'il y a un point de détail sur lequel on peut s'appuyer, c'est le fait que l'épée de Mikasa tremble en tenant en joue Levi. Ce qui laisse à penser qu'elle a une certaine hésitation, ou alors qu'elle est complètement émue par la situation,
ce qui est complètement logique. Dans le manga, Isayama aurait très bien pu faire des petits traits autour de l'épée pour nous faire penser la même chose, mais ça n'a pas été fait. C'est un petit détail, je le reconnais, mais malgré tout, je trouve qu'il a son importance. Autre petit détail qui rajoute, à mon sens, beaucoup d'émotions dans l'animé par rapport au manga, c'est le fait que Eren, lorsqu'il fait son discours pour défendre Armin, des larmes coulent sur son visage, ce qui n'est pas le cas du manga. Alors vous allez dire encore une fois que c'est sujet à interprétation, mais à la rigueur dans le manga, on pourrait éventuellement dire qu'il a les larmes aux yeux à quelques passages, mais ça reste bien moins significatif que dans l'animé. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça montre encore plus les émotions d'Eren et nous permet d'avoir encore plus d'empathie pour la situation que les protagonistes sont en train de vivre. Suite à ça, on va voir le flashback de Flock qui va défendre Erwin, et sur le fond de la scène, on va voir que Levi est bien plus badass dans le manga que dans l'animé, puisqu'il détruit beaucoup plus de titans. Là où dans l'animé, on en voit à peine 3-4, dans le manga, il y a quasiment le double. Pareil dans la série des petits détails, j'ai le sentiment que la blessure de Jean dans l'animé, elle est complètement minime, puisqu'il n'y a même pas de sang qui s'en écoule. Tandis que dans le manga, quand on voit les bandeaux qui sont complètement rouges, tu te dis qu'il frôle l'hémorragie. On va maintenant s'attarder sur les différences de dialogue qu'il y a entre le manga et l'animé. Rassurez-vous ici, je ne vais pas faire sur les points de détail parce que d'une traduction à l'autre, c'est pas forcément la même chose. Mais il y a quelques petites phrases qui ont été squeezées ou totalement modifiées entre le manga et l'animé. Par exemple, dans le manga, quand Hanzi défend le fait qu'il faut sauver Erwin, elle dit une phrase qui n'est pas dans l'animé. Et cette phrase c'est « Ce serait pour l'humanité entière la disparition d'un symbole ». Et je trouve que c'est très pertinent, et ça aurait dû être présent également dans l'animé, parce que c'est un argument fort pour convaincre qu'il faut sauver Erwin et pas Armin. Erwin, c'est le chef du bataillon d'exploration, et le bataillon d'exploration, c'est quoi? C'est la liberté, c'est la volonté d'éradiquer les titans. Et Erwin représente tout ça. Alors s'ils reviennent en ville, et qu'il ne reste que 9 survivants, et que dedans il n'y a pas Erwin, les gens vont être encore plus démoralisés que s'il était présent. D'ailleurs dans l'animé, quand Hanzi parle d'Armin, elle dit qu'il n'a pas l'expérience ni le charisme fédérateur d'Erwin, et ça c'est vrai, mais dans le manga, elle pousse encore plus son analyse, puisqu'elle dit « Pour mener le combat sur le long terme, nous avons besoin de l'expérience d'Erwin et de son charisme fédérateur. » On va ensuite voir le flashback d'Hanzi, quand elle se fait sauver par Mowgli, et je trouve que cette scène est bien plus touchante dans l'animé que dans le manga. Là où dans le manga, on a le droit à 4 petites images, dans l'animé, on va avoir une scène qui est prise au ralenti, ce qui permet d'avoir encore plus d'émotions et de détailler ce qui se passe. Et en plus de ça, ils vont rajouter la fameuse image où on voit Hanzi qui a la lunette qui se brise, symbole d'une part de la mort de Mowgli, et d'autre part de la perte de son œil. Et je sais pas pour vous, mais du coup le fait de faire ça au ralenti, ça m'a donné beaucoup plus d'empathie sur la mort de Mowgli, alors que c'est vrai que dans le manga, je l'ai limite pas vu passer. Pareil, en parlant de séquences émotions dans l'animé, on a un petit peu la même chose au moment où Eren s'éloigne d'Armin, là où on a juste 2 petites images dans le manga. Dans l'animé, on voit tout ça au ralenti. Et d'ailleurs, en parlant d'Eren, on a un autre moment où il va pleurer dans l'animé et pas vraiment dans le manga. C'est quand il va attraper la jambe de Levi pour lui parler de l'obsession d'Armin pour la mère. Encore une fois, une séquence émotion bien plus touchante dans l'animé que dans le manga. Suite à ça, on va avoir droit à un Levi torturé qui sait pas vraiment quoi faire et qui va enchaîner une succession de flashbacks. Et l'un d'entre eux a été rajouté dans l'animé par rapport au manga, c'est celui où Armin parle à Mikasa et Eren, tandis que Levi est assis contre un mur et va écouter malgré tout. Ce qui va lui permettre de confirmer l'obsession d'Armin pour la mère comme l'avait dit Eren, alors que dans le manga, on n'a pas de preuve que Levi a été témoin de ça. Enfin, je terminerai avec le moment où Bertolt se fait manger par Armin, puisqu'il y a un truc qui a été rajouté dans l'animé par rapport au manga, c'est le fait que, au moment où il se fait attraper par le titan d'Armin, il voit ses anciens camarades du bataillon d'exploration et il sourit. Dans le manga, c'est un peu plus basique que ça. Il se contente de se faire choper, de crier, de donner le nom d'Annie et de Rainer et de se faire manger gentiment. Et je trouve que cet ajout de l'animé est très intéressant parce que ça montre également la dualité du personnage. Dans un premier temps, il voit qu'il est en train de se faire attraper par un titan et il se tourne et voit ses anciens camarades et se dit « Chic, ils vont me sauver !» Sauf que, en l'espace de quelques dixièmes de seconde, il s'aperçoit que ça n'arrivera pas pour la simple et bonne raison que maintenant, le bataillon d'exploration, eh ben c'est ses ennemis.
Et perso, j'ai trouvé cet ajout très intéressant. Ça a montré un petit peu la dualité du personnage de Berthold, un petit peu à l'image de ce qu'on a eu avant avec Rainer. Et pour ça, je remercie le studio d'animation. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Je sais qu'il n'y a pas eu d'énormes changements, mais malgré tout, il y a eu quelques petites modifications dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, commentez pour me donner votre avis sur les différences que j'ai citées ici, ou même m'en donner de nouvelles si j'en ai raté, hein, c'est tout à fait possible. Partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle est digne d'intérêt. Et puis si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à visiter mon lien Utip. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à consacrer 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !